Bon, Simon, toujours en forme. Ça va? Ouais. On peut pas être déçu, on peut plus être déçu. Après ce que vous avez montré encore samedi, on doit pas être déçu, on peut plus être déçu d'un match maintenant. Ok, on peut que progresser ensemble. Une équipe réserve, c'est toujours différent d'une équipe première. Nous on a tout pour l'équipe première. Eux, c'est l'équipe B. Ils ont un gros projet sur l'équipe première aussi. Donc forcément, des bonnes redescentes, des bons joueurs. Ils ont une belle équipe. L'effectif est plutôt conséquent. Après, on va voir si collectivement, ils sont prêts à jouer contre une équipe comme la nôtre qui monte en puissance et qui est de plus en plus prête pour ce genre de rencontre. Donc. Je me dis on a une chance à jouer parce que les gars ils se disent que ouais ils n'ont pas joué avec la première donc ils sont peut-être nonchalants et à nous de profiter bien et jouer le coup à fond quoi. Quasiment leurs deux premières occasions. C'est dommage parce qu'on a largement les occasions pour faire mieux. On a au moins 5 au cache franche, on les met pas. Bon, voilà, à nous de reprendre sur la deuxième. On met des gelons. Combien de gelons perdus? La passe D, on va pas la faire de chez nous, les gars. On se remet dedans et on repart au combat. C'était compliqué, on menait au score. Après, ils sont revenus, ils menaient. Après, c'était très difficile. Après, on s'est parlé à la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait rester calme et que si on jouait notre jeu posé, on allait revenir. C'est ce qui s'est passé. Notre plus grand problème aujourd'hui, ça a été nous, on va dire. Et malgré ça, on a voulu mettre en difficulté l'avant-garde sur un certain système. Je pense que là-dessus, par contre, les joueurs ont hyper bien réussi ce que je leur avais demandé. Pour ça, je les félicite. Maintenant, il va falloir montrer encore autre chose. On a été chercher au fond des joueurs pour qu'ils reviennent sur le terrain et que du coup, ils mettent un peu d'orgueil. On a vu qu'aujourd'hui, ils avaient de l'orgueil et qu'ils sont revenus sur le terrain pour le gagner. Puis ils l'ont gagné. Donc c'est plutôt positif dans ce sens-là. Mentalement, il va vraiment servir ce match.